Là aussi, les chercheurs sont allés voir qu'il y a trois niveaux en fait de confiance, d'accord, qui sont assez faciles à comprendre, et qu'on vit à chaque jour dans notre quotidien au gré des circonstances ou des relations qu'on entretient avec tout un chacun. Donc c'est sûr que dans ces trois niveaux, je sais pas si avant s'afficher, mais on a vraiment et confiance. Donc il y a la confiance assurée qui est une forme de confiance aveugle. Il y a la méfiance qui vient complètement à l'opposé, tu sais, dans l'éventail, complètement. Et puis, en fait, on a la confiance décidée. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Alors j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi et que vous avez passé aussi un bon lundi avec nous. Si vous n'avez pas suivi le podcast, et ben je vous encourage à l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Et puis d'ailleurs, tout le monde qui fait des podcasts le dit, donc je vais le dire aussi. Laissez un avis, mettez une note parce que apparemment ça aide à ce que le podcast puisse être mieux répertorié. Alors si vous avez aimé l'émission, peu importe où vous la suivez, bah, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis si vous pouvez les noter, notez-la bien de préférence, ce serait mieux. Et aujourd'hui nous allons parler de communication, particulièrement de la confiance dans la communication. La confiance, c'est quelque chose qu'on trouve très noble, très beau, mais alors maintenant comment est-ce qu'on peut le vivre, comment est-ce qu'on l'exprime, comment est-ce qu'on développe la confiance, particulièrement quand on a vécu des trahisons, des déceptions. Ça peut être un sujet un petit peu sensible. Et nous avons avec nous Rachel qui est là. Rachel qui est consultante en communication humaine et relationnelle et qui va nous donner des clés pour bâtir ou rebâtir la confiance, mais de la bonne façon. Bonjour Rachel. Salut Rachel. Ça va bien ? Oui, très très bien Rachel. Nous construisons notre relation de confiance au fur et à mesure des podcasts que nous avons pu faire ensemble. On en a quand même fait, maintenant c'est notre troisième. Quatrième, tu vois déjà là je viens de perdre peut-être un point. La quatrième parce que tu étais avec nous lundi, tu nous as parlé de ton parcours personnel, de ta reconversion professionnelle qui t'a amené à devenir consultante, coach, je sais pas, consultante ou coach, tu veux dire? C'est les deux. Les deux, ok. J'ai deux casquettes, génial, pourquoi choisir? Exactement, donc coach consultante et c'est ça, tu nous as expliqué un peu ton parcours, ce qui t'a poussé à t'amener dans cette voie avec un besoin et une passion pour aider l'autre. Et c'est très beau, Rachel, merci, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous aider. Et je crois que la confiance, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on connaît tous. Mais maintenant, à vivre, on a peut-être tous une définition déjà de la confiance un peu différente, une définition différente. Et puis, c'est surtout la mise en pratique, en fait. Il y a des choses comme ça, c'est l'amour. La confiance, c'est des beaux mots. Mais comment est-ce qu'on le vit de façon pratique dans la réalité? Et voilà, Rachel, la confiance, déjà, c'est quoi, en fait? C'est un vaste programme, la confiance. comme j'aime ce que tu dis, c'est qu'on a tous une définition différente de ce qu'est la confiance. C'est ça qui est intéressant en communication, justement. C'est toujours de... Oui, on va revenir à une définition plus ou moins traditionnelle, on va dire. Mais après, est-ce qu'elle s'applique de la même façon pour toi, Stéphanie, que pour moi? Peut-être pas. Et ça, ce sont que les faits qui vont pouvoir en témoigner. Par exemple, une des définitions du dictionnaire qu'on va trouver sur la confiance, je cite, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie en quelqu'un ou en quelque chose. Quand même une petite notion de foi, se fier. C'est ça. C'est fort, hein. Pour certains, la confiance, ça peut être une valeur. Ouais. Donc là, on se rend compte que peut-être leur définition de la confiance va prendre peut-être un grade un petit peu au-dessus. Et puis pour d'autres, la confiance, c'est un fait. Elle se fait pas. Peut-être c'est au gré des relations. Ça se crée pas, tant pis, ça les empêche pas d'avancer. Oui, parfois on a perdu confiance. T'sais, si tu as une mauvaise expérience, ta définition de confiance peut changer aussi. On fait moins confiance. Et du coup, tu dis au gré des relations, et puis on vit tous des aléas, je dirais, dans nos relations. Est-ce qu'il peut y avoir une notion de relation sans confiance? Compliqué, hein. Justement, ça va m'aider à poursuivre, parce que là, je donne une définition du dictionnaire. Mais encore une fois, les chercheurs... Elles sont allées chercher un petit peu plus loin, évidemment, on pousse la réflexion. Et puis, oui, dans la confiance, il y a une notion de relation. C'est-à-dire que la confiance, c'est un feeling, c'est un sentiment, déjà. Mais il y a une notion d'engagement dans la confiance, d'attente,
peut-être que je formule ou que je ne formule pas. Puis surtout, elle est teintée de mes expériences relationnelles passées. Ok, ouais. Ouais, c'est là qu'on va comprendre avec des gens qui font facilement confiance. Peut-être qu'eux, ils n'ont jamais vécu une expérience négative dans leur relation. Et puis tant mieux, tu sais. Puis ils avancent comme ça, puis c'est bien. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui ont vécu des expériences qui ont brisé une confiance. Mm-hmm. Alors oui, la confiance dans les relations, ça participe justement à des relations beaucoup plus solides. Mm-hmm. Parce que tu vois, on peut avoir, quand on parle de relations, déjà, on va parler dans, un peu dans tous les domaines hein, de notre vie. Oui. Mais il y a des gens avec qui on a une relation, mais qui n'est absolument pas profonde. Mais tu passes à la caisse d'un magasin, bah, tu as une relation avec la caissière à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est ton ami, mais tu as même une notion de confiance qu'elle va te rendre ta monnaie, qu'elle ne va pas voler ta carte, qu'elle ne va pas, pas faire un double ou je ne sais pas quoi. Et, tu vois, mais pourtant, ce n'est pas mon ami, mais mine de rien, bah, y a quand même une petite notion de confiance qui est là pour juste le moment, cette interaction qu'on a. Donc je me dis, bah, si même dans ces petites choses du quotidien, un chauffeur de bus, tu as comme un minimum de confiance. Oui, bah, ta vie. Ouais, c'est ça. Bah, oui, parce qu'il te conduit, en fait. Donc, peut-être qu'on n'a pas, conscience qu'on donne notre confiance régulièrement. Ouais. Même si on se dit, non, moi, je suis quelqu'un de très méfiant, mais dans plein de choses de tous les jours, bah, on donne notre confiance. Ouais. Mais je ne sais même pas, du coup, est-ce que c'est un choix ou de, parce qu'on ne peut pas vivre sinon. Bah, c'est ça, c'est que la confiance, tu ne peux pas vivre sans faire un minimum confiance. Donc, c'est, on en a besoin, on l'utilise, comme tu le dis, à chaque jour. Mais quand tu disais la relation que tu avais avec la caissière, par exemple, on dit que sans communication, il n'y a pas de relation. Dès lors qu'on va se dire un bonjour, un comment ça va, ou même juste un contact physique avec quelqu'un dans l'autobus ou peu importe, ou dans la rue, on a créé quelque chose. On a créé une forme de communication. Donc, ça met la barre au-dessus. Tu crois nous non, avons créé quelque chose. Parce que peut-être qu'on a été témoin de quelqu'un qui s'est pris les pieds là sur le trottoir et puis on se regarde entre témoins et puis on a vu, tu sais, et puis ça crée une petite complicité à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée. Et je trouve que c'est un super pouvoir que, dont Dieu nous a doté, t'sais, en tant qu'humain, de pouvoir créer ces petites relations, juste avec une communication verbale, non-verbale. Et donc, il y a une petite complicité qui va naître. Mm-hmm. Et donc, oui, une petite confiance, quelque part, que on se ressemble peut-être. On va se donner la chance de se découvrir. Tu pousses le degré des relations, là. On va sentir proche de suite de la caissière, là. Hey, ça va. C'est génial. Tu sais qu'on a une relation, toi. Ciao. On va leur faire peur. Ou alors, tu vas plus oser regarder personne. J'ai pas envie d'être en relation. Créer un moment. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de confiance? Ouais, clairement. Là aussi, les chercheurs sont allés voir qu'il y a trois niveaux en fait, de confiance. D'accord. Qui sont assez faciles à comprendre et qu'on vit à chaque jour dans notre quotidien au gré des circonstances ou des relations qu'on entretient avec tout un chacun. Donc, c'est sûr que dans ces trois niveaux, je ne sais pas si avant s'afficher, mais on a vraiment... Et confiance. Donc, il y a la confiance assurée qui est une forme de confiance aveugle. Il y a la méfiance qui vient complètement à l'opposé, tu sais, dans l'éventail. Complètement. Et puis, en fait, on a la confiance décidée. Et c'est quoi ça, la confiance décidée? Alors bah déjà, je vais les prendre peut-être une à une. Tu sais, la confiance aveugle, c'est sûr que quand j'ai dit le confiance assurée, personne n'a compris. Confiance aveugle, tout le monde a compris. Donc forcément, c'est une confiance un peu systématique. D'emblée, je la donne. Et c'est vrai que dans nos milieux chrétiens, et j'aime ça, c'est ce que tu disais en introduction, c'est que peut-être d'emblée, on va donner ce type de confiance à tout le monde. Ouais. Sous le couvert qu'on est frères et sœurs, et puis que voilà, bah, ça va de et pair. Et que l'amour ne soupçonne point le mal. Par exemple. Donc je trouve ça intéressant. La confiance aveugle, tout le monde la comprend. La méfiance, pareil, c'est une définition qu'on a tous commune. J'ai vécu peut-être quelque chose qui a brisé cette confiance-là et je me mets en mode méfiance. Et donc là, je vais d'emblée avoir du doute sur tout comportement, sur toute parole maudite. Ah, je suis sûre que c'est pour ça. Et donc, on se protège peut-être quelque part, mais on est quand même dans une disposition de fermeture. D'ailleurs, je le fais naturellement avec mon non-verbal. Puis enfin, on a la confiance décidée, qui serait le niveau à atteindre par excellence. Pourquoi, quand je dis le mot décidé dans cette confiance-là, c'est que c'est un choix.
Et je trouve ça beau parce que la confiance doit demeurer un choix, au final. Est-ce que je donne? Est-ce que je donne pas? Est-ce que la personne est digne de confiance ou pas? Et puis, en fait, quand je parle de ce niveau-là de confiance dans le milieu professionnel, si je peux l'illustrer peut-être aussi à large dans mon domaine, dans mon expertise, ce serait le niveau où, par exemple, le manager va déléguer certaines tâches pour un projet. Eh bien, évidemment, il va laisser son équipe autonome, sachant que chaque personne a été recrutée parce qu'elle est bonne dans son domaine, elle est experte et puis qu'elle est capable, elle a les compétences. Est-ce que je vais donner une confiance aveugle? C'est bon, j'aurais donné la directive et puis rendez-vous dans un mois au livrable la veille de donner le projet au client. Ça, ce serait pas une confiance. On comprend qu'elle est pas, c'est pas celle qu'on va rechercher en tant que manager, parce qu'il peut se passer plein de choses dans ce projet-là qui font que la veille, ce serait peut-être pas le moment de vérifier si tout a été OK. Mais la confiance décidée, ça va être, OK, j'ai donné, j'ai délégué, j'ai donné mes formulations, mes consignes, mais de temps en temps, je vais venir voir, m'inquiéter. Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Est-ce qu'il y a un blocage, un obstacle? Donc, on va être là en termes un peu de ressources et puis d'aller vérifier de temps en temps. Et ça démontre quoi? Que je suis un manager ou un dirigeant qui s'implique auprès de son équipe. Et là, si on part, on reste dans ton exemple de manager, et t'as un équipier qui dit mais pourquoi est-ce que tu viens vérifier? Pourquoi? Et c'est, j'ai l'impression que t'as pas confiance en moi, alors que on est dans cette confiance décidée où on fait des points. Comment est-ce que la personne, tu vois, qui le vit comme un manque de confiance, qu'est-ce que ça dit d'elle en fait aussi? C'est certain, c'est sûr que ça peut lui donner le sentiment d'incompétence, qui est très fragilisant psychologiquement pour un employé, de pas se sentir compétent ou à la hauteur ou qu'on lui fait pas confiance. C'est sûr que je viens pas mettre en lumière tout son potentiel. En tout cas, je mets pas à bonne disposition tout ce qu'il pourrait faire. Alors c'est sûr qu'en tant que manager, ce qui est beau, c'est de vouloir inculquer des pratiques finalement, et donc de dire dans ce projet là je vais me réserver le droit de faire des réunions check où on vérifie, de vérification. Donc ça va pas être donc juste pour toi, point personnel, c'est ça, c'est que je vais le faire pas confiance en moi, voilà. Exact, je le fais pour tout le monde, puis ça va de ma responsabilité de manager de vérifier. Ça fait partie de mes tâches, de mes compétences. Pas confondre avec le micromanagement, où là, on va surcontrôler et être sur l'épaule quasiment de ton employé. Est-ce que tu as fait ça comme ça? Mais je veux que tu le fasses comme ça et de telle manière. Il y a une grosse différence. Donc, c'est accepter aussi que ça fait partie du rôle de ton manager, de ton dirigeant, de vérifier. Ça fait partie de ses tâches parce que lui aussi est imputable auprès de plus haut ou auprès du client. Donc, c'est lui qui va être en face d'une personne, figure d'autorité, au final, qui aura le mot à dire. Donc, forcément, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis, pas de peut-être soupçon là-dedans. Pour revenir à la confiance assurée, donc la confiance aveugle, tu as fait le lien, tu es avec les milieux chrétiens. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir une confiance assurée tout en étant dans un amour parfait, cet amour qui ne soupçonne pas le mal? Ouais, pour moi, il y a deux notions différentes là. C'est la confiance d'un côté et l'amour. Alors souvent, on fait un lien, on a l'impression que ça va de pair, mais pourtant, ce sont deux notions bien dissociables. Et je vais prendre la première partie de la question. Tu sais, oui, dans l'Église, je l'explique, mais la confiance aveugle, je disais que la confiance décidée, c'était le niveau de confiance qu'on vise dans nos interactions interpersonnelles, mais dans le couple. Je trouve que c'est un super cadeau que Dieu nous fait d'avoir cette confiance aveugle dans notre époux ou envers notre épouse. Donc, c'est un cadeau magnifique. Les couples qui vivent ce niveau de la confiance, c'est d'une sécurité psychologique. Bien sûr que je ne suis pas garant du salut de mon mari jusqu'à la vie éternelle, évidemment, mais c'est un cadeau que Dieu nous fait dans le couple, d'avoir cette confiance-là, de pouvoir m'appuyer, de pouvoir m'épauler. Je sais qu'il est là pour moi. Je sais que, par exemple, je parle de mon mari, je sais qu'il est complètement désintéressé et que quand je vais lui exposer mon besoin, il sait que ce n'est pas contre lui. Il va le faire pour moi parce qu'il y a cette notion-là de confiance aveugle. On a appris à se faire confiance. Dans les épreuves, il était là. Dans les épreuves, j'ai été là. Donc, c'est quelque chose qui a été éprouvé. Parce que la confiance, elle se bâtit, elle se détruit, mais elle peut se reconstruire aussi. Je trouve ça intéressant.
Pourquoi je dissocie de l'amour? Justement, c'est le verset qu'on n'a pas arrêté de se citer, c'est que l'amour ne soupçonne point le mal. Mm-hmm. Donc, ce que j'aime, moi, dans ce verset-là, c'est que, dès le début, c'est je pourrais parler la langue des anges. Mm. Je pourrais avoir le don de prophétie, de comprendre les mystères, de posséder toute la connaissance et d'avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Extraordinaire. Mais j'aime bien la version en parole de vie, là, qui est bien plus proche. Mais si je n'aime pas les autres, mm-hmm. c'est pas, si je n'ai pas l'amour, je trouve que c'est un peu loin, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Alors là, je comprends que l'amour, c'est un état non négociable de tout chrétien. Mm-hmm. Aimer, c'est le commandement le plus grand, ultime. Aime Dieu, aime ton prochain. Je dois aimer. Donc aimer en ne soupçonnant pas le mal, parce que c'est la suite du chapitre. Et évidemment, oui, je vais partir du principe que l'autre ne le fait pas exprès, que l'autre ne me nuit pas en faisant ça. Donc, j'aime de manière inconsidérée, inconsidérable, enfin bref, profonde. Donc, j'aime. Maintenant, la confiance est autre chose. Et pour illustrer, j'ai d'autres versets qui, là, c'est Jean qui va nous dire ça. Il dit « Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Mais dans ce même chapitre, je trouve ça intéressant, parce qu'il commence en disant « Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint, mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. » Donc, faites-leur pas confiance, vous aimez-les, mais faites-leur pas confiance aveugle. En tout cas, exactement. J'aime bien ta version. C'est bien, hein. Mais il faut examiner, et puis c'est un peu les chrétiens de Béret qui ont accepté avec empressement. Donc, tu sais, ils sont pas partis du postulat, ils nous racontent n'importe quoi. Donc, ils ont accepté la parole avec empressement, et pourtant, ça les empêchait pas d'examiner si c'était conforme aux enseignements. Donc oui, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne, etc., ça oui, c'est le niveau d'amour ultime, le modèle que Jésus-Christ a envers nous, ça c'est clair. Mais la confiance, elle doit s'examiner. Est-ce que le geste, la parole qui nous est donnée, la prédication, ou peu importe les actions, est-ce qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu, par exemple? Parce qu'il y a eu beaucoup, malheureusement, d'abus spirituels et même d'abus physiques, que il y avait cette confiance aveugle où on a un petit peu tout mélangé, et parce que la personne a ce statut, parce qu'on est dans tel milieu, forcément tout le monde est gentil, tout le monde a des bonnes intentions, et c'est comme tu te sens quasiment un mauvais chrétien que de pouvoir remettre ça en cause ou en question, de l'évaluer, questionner, de l'évaluer exactement. Ouais. Alors qu'en fait, on comprend qu'on a ce devoir d'évaluer. On aime, mais nous pouvons évaluer parce que quand une fois, la confiance, c'est quelque chose qui va non seulement se construire, mais il va y avoir des choses tangibles, en fait, qui vont pouvoir permettre de construire ou de ne pas construire cette confiance. Et c'est sûr que dans nos milieux chrétiens, quelquefois, on est un petit peu naïf, un petit peu innocent. Ouais. Et non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, soyons vigilants. Puis on parle beaucoup de discernement aussi. Je veux dire, si tout le monde était gentil, si tout le monde avait des bonnes intentions, on n'aurait même pas besoin de discernement. On ne parlerait pas de l'esprit de la vérité. On ne parlerait pas de tout ça. Oui. Et pourtant, les épîtres en parlent souvent et nous mettent en garde. Il y a beaucoup d'avertissements, et c'est pas des avertissements, comme tu le dis, pour ne pas aimer, mais des avertissements plus par rapport à la confiance, et puis à la valeur qu'on va, ou à la place qu'on va laisser aux personnes, et aussi à leurs paroles, pour nous influencer. Mais on dirait que ça, on le comprend dans la vie au quotidien, au travail. Oui. Mais quand on arrive dans l'église, c'est comme si on se dit c'est mes frères et sœurs, donc je peux pas... Mais c'est vrai que même si c'est dans l'église, on peut aimer et on doit aimer, mais être vigilant aussi, puis de regarder à qui je laisse mes enfants, à qui, tu sais, de dire voilà. Et c'est ça, je trouve ça important de bien le dissocier. Tu le dis bien, Annabelle, ça, qu'il faut quand même regarder dans l'Église aussi. On ne donne pas notre confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la méfiance. Ça, c'est autre chose. Mais concrètement, j'allais dire concrètement, du coup, comment ça se vit? Parce que oui, donc on aime dans l'église, par exemple, tout ça et tout, mais la confiance, du coup, c'est quoi l'entre-deux? Par exemple, je sais pas, moi, j'aimerais faire regarder mes enfants par une sœur de l'église, parce que voilà, j'ai un imprévu. Est-ce que je teste la confiance? Qu'est-ce que je peux faire pour justement évaluer cette confiance? Quel témoignage elle a auprès de d'autres mamans? Est-ce qu'elle a déjà fait du gardiennage? Et est-ce que je peux demander l'expérience auprès de d'autres parents? Déjà, ça exclut pas d'aller vérifier
vérifier justement la confiance assurée, elle va vérifier, je m'implique. En fait, c'est pourquoi on dit que c'est compliqué, parce que la confiance aveugle, c'est un confort psychologique. C'est aussi un raccourci. Ouais. On a, ça, des fois, quand on a une confiance aveugle, ça nous... on évite un peu de faire l'exercice. Exact. D'aller voir, tu sais, fait qu'on se dit, bon, je fais confiance. Puis là, exact. Donc, ça nous met dans, une, dans un état psychologique de confort, en fait. Je n'ai pas à résister, je n'ai pas à vérifier. Alors, oui, certes, mais là, en l'occurrence, on parle de nos enfants, c'est bien de s'impliquer. Donc, je trouve ça bon de le dire, parce que des fois, en tant que chrétien, on peut même se sentir mal de demander. Tu sais, tu t'en comme mes messes, parce que tu de suite t'impliques l'amour dedans, et limite tu te sens comme si, mais je vais demander contre la personne, si la personne l'apprend, tu te sens comme mal de le faire. Donc je trouve ça bien de dire, mais non, mais tu n'as pas à te sentir mal, tu sais, c'est quand même tes enfants, bon, c'est l'exemple des enfants, mais qui sont comme gardés par quelqu'un. Déjà, mais tu es dans le droit aussi de ne pas être naïf et de faire un choix juste par, sous prétexte de l'amour, ou pour ne pas vexer, ou pour autre. Bon, il y a une façon de faire, mais de ne pas se sentir mal non plus, quoi, c'est important. Je pense qu'il faut aussi peut-être normaliser ce la vérification, qui n'est pas un soupçon, mais comme tu disais, dans le cadre du travail, bah, on peut le prendre mal, mais si le manager le normalise, non, je vérifie, et c'est normal, et c'est comme ça que ça va se passer. Bah, aussi dans nos relations, bah, écoute, moi je le fais parce que pour moi, ça c'est important, dans le cas des enfants, bah, parce qu'écoute, n'importe qui, même aujourd'hui, qui veut se faire embaucher dans une garderie, normalement on va faire une enquête, on va appeler l'ancien employeur. Donc, Dieu, à toi, en tant que parent, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas le faire? C'est aussi de le normaliser pour dire, tu sais, j'en ai pas contre toi, je ne cherche pas à ouvrir, je ne cherche pas des cadavres, en fait. Non. C'est aussi la... Tu sais, comment il m'est arrivé une situation dans mon ministère d'avoir certaines règles que je fonctionne. Et il est arrivé que la règle était brisée. Alors, moi, j'ai posé des questions. Et j'ai dit... elle était brisée, c'est-à-dire que c'était différent de ce que je suis habituée. Et j'ai posé des questions. J'ai dit, c'est pas parce que j'ai pas confiance en toi. C'est parce que cette règle-là, c'est une valeur importante pour moi. Donc, quand on prend la peine de préciser que on n'est pas, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, je le ferai à n'importe qui. Exact. C'est parce que pour moi, ça, c'est une valeur importante. Donc, je pense que c'est la façon dont on pose nos questions, puis on valide un peu, même avec, on dit, comme un employeur, de dire, écoute, je vais valider ton travail, c'est pas parce que j'ai pas confiance, c'est parce que j'ai des comptes à rendre. Et donc, la communication rentre en jeu aussi là-dedans. Ben oui, voilà. Clairement, c'est pour ça que c'est un aspect communicationnel, la notion de confiance, le niveau de confiance qui se bâtit. Puis encore une fois, c'est des cartes que j'ai en main. Tu sais, oui, c'est de la recherche. Oui, ce sont des personnes séculières qui ont fait, qui ont déterminé ces trois niveaux de confiance. Mais je trouve ça intéressant de les comprendre et de savoir qu'en fait, on les utilise au quotidien. Mais c'est des cartes que j'ai en main. Est-ce que là, confiance aveugle? Oui, envers mon époux, ben, j'espère, j'aimerais et j'aspire à ça. Et puis c'est beau. Est-ce que la confiance aveugle avec mon adolescent, c'est une bonne chose? Je pense pas. Peut-être moins. On va peut-être un petit peu vérifier deux, trois choses. Et quand ça, même. C'est vrai que t'as confiance en moi. Et ça, c'est des vrais raccourcis, des fois, parce que, tu sais, on voudrait faire confiance, mais il faut mettre nos pantalons, comme on dit, et poser des actions. Et voilà. Et puis, encore une fois, c'est parce qu'on fait le raccourci entre vérification et contrôle. Mais c'est pas la définition que je donne de vérifier. Vérifier, c'est je m'implique, je montre que je m'intéresse, je m'implique dans la vie de mes enfants. La sécurité de mes enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que, en sait-on jamais, et c'est pas toi encore une fois que je remets en cause, mais voilà, moi c'est mon cadre de valeur et de sécurité pour que moi je me sente apaisée dans mon cœur de maman. Eh bien, il va falloir certaines règles, et ça fait partie de ma façon de fonctionner. Et dans la confiance décidée, est-ce qu'on peut augmenter dans notre niveau de confiance? Puisqu'on se décide. Moi, je peux me décider pour un petit peu, mais je peux me décider pour plus aussi. Est-ce qu'il y a vraiment cette évolution? Ouais, ben en fait, c'est quelque chose qui... C'est une technique qu'on va donner aussi à ceux qui ont été brisés dans leur confiance. Et c'est là que je m'en allais voir. Et qui arrivent à ce degré de méfiance complètement. C'est un peu les mêmes techniques que tu vas voir qui se jouent et qu'on fait naturellement, mais je viens juste mettre des mots sur ce qui se passe. Alors, quand on est arrivé à un niveau de méfiance, on est brisé. On se dit que plus jamais ça m'arrivera, plus jamais je vais être dans cette circonstance-là et je vais me protéger maintenant, donc je vais me fermer au plus haut point. Sauf que ça, c'est encore une fois, c'est une carte à jouer quand on est dans une situation de danger, quand on porte atteinte à notre intégrité, que ce soit psychologique ou physique, ou lorsqu'on me force à faire quelque chose que je ne veux pas. Donc là, je ne dois pas donner de confiance aveugle et je ne dois pas donner de confiance ni même décider. C'est une carte, c'est la bonne carte à jouer. C'est la bonne carte à jouer.
d'un moment. Mais on ne peut pas vivre qu'avec cette carte. Tu ne peux pas, parce qu'en fait, tu mets ton psyché, là, ton cerveau, en mode vigilance. Mm-hmm. Ton corps aussi est en vigilance. Okay. Ouais. Donc, tu es un peu non-verbal crispé, fermé, ouais. crispé, on te parle, tu es sec. Même, tu changes, en fait. Mm-hmm. Ouais. Et je comprends que cette épreuve peut te changer et te pousser dans des retranchements où tu n'as plus envie de faire confiance mmh. et de couper le côté relationnel. Je comprends. Mais moi, je me rappelle, comme j'en parle dans l'émission précédente, mmh. Je disais que j'avais vécu un moment qui était difficile, qui était pénible, le harcèlement psychologique. Comment refaire confiance oui, c'est ça. Après ça, j'ai ouais. été brisée dans ma confiance. Donc forcément, moi aussi, j'ai connu ce statut-là. Mmh. Je me suis renfermée. Vraiment bloqué. Et vous écouterez l'épisode d'avant mm-hmm. où je raconte justement mon entretien avec un de mes enseignants pendant mes études universitaires, où je lui expose, je dis, moi j'ai vécu ça et je sens que j'ai un blocage, j'y arrive plus, j'aimerais mais je n'y arrive plus. Et puis donc c'est là que la confiance décidée, mm-hmm. on peut l'augmenter, ou alors on peut guérir de cette méfiance là Et qu'est-ce qu'il t'a dit comme clé? C'est la technique des petits cailloux. La technique des petits cailloux, en fait, c'est je rentre en relation, par exemple, Stéphanie en face de moi, imaginons qu'on ne se connaît pas du tout, on commence à échanger, puis je t'apprécie, je trouve qu'il y a un feeling qui passe. Mais comment ça va en même temps? Avec chacune d'entre vous, j'aurais pu le dire, ok. Avec... Allez, on continue. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais... Moi aussi, je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose, mais moi, je suis bloquée. Mm. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je suis bloquée mm-hmm. parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont blessée profondément. Mais je me dis, j'aurais quand même envie, parce qu'on est des êtres relationnels, Dieu nous a voulu comme ça, tu sais. J'aurais envie de quelque chose. Alors peut-être que je vais lui confier un petit truc, soit, tu sais, je traverse ça avec mon plus vieux, okay. et puis voilà. Mais je laisse comme ça, et puis elle m'en parle, elle m'en reparle pas, tu me relances sur le sujet ou pas, sur l'instant T, c'est pas le plus important. En revanche, quand on va se voir une prochaine fois, si Stéphanie me revient en disant, ah, puis l'affaire avec ton fils, oh, je me dis, ok, je lui ai confié un petit caillou, elle en a pris soin, et en plus, elle prend la peine de me redemander, donc je sens qu'il y a là, de l'intérêt envers moi, c'est pas de la curiosité, mais c'est vraiment un intérêt, savoir comment je vis, comment j'ai avancé. Ok, est-ce que je peux lui confier un autre petit caillou, puis un autre petit caillou, puis une autre affaire, puis des fois, peut-être, ça va être, Stéphanie, en fait, en ce moment, je vais pas bien. Et on arrive à ce cap-là. Et là, moi, je suis en train de guérir de ma méfiance en continu, parce que je sens qu'il y a un terrain qui est en train favorable qui est en train de se créer entre nous. Et puis, ça n'empêche pas que j'observe encore une fois qu'est-ce que Stéphanie va faire de mes petits cailloux. Est-ce qu'elle va en prendre soin? Est-ce qu'elle va les chérir? Est-ce qu'elle va me les relancer en pleine face? Est-ce qu'elle va les jeter dans la rivière? ou est-ce qu'elle va les exposer, même elle, dans sa vie de prière, peut-être, et elle va s'engager avec moi? Et puis là, on passe un cap. On est devenu... partenaire de prière, peut-être dans un sujet, dans une saison de vie. Donc, il faut oser. C'est ce que je dis, c'est que quand on a vécu des situations difficiles, il faut oser redonner un caillou. Il faut demander à Dieu la force de... Mais si on n'ose pas... Regarde, moi, ma vie aurait pu s'arrêter à ce moment où j'étais brisée dans ma confiance, où je me suis dit, plus jamais j'aurai de relations, même amicales, c'est compliqué. Mais alors, je serais passée à côté de plein de relations que j'ai vécues là, ces dernières années, qui sont extraordinaires, qui contribuent à la femme que je deviens. Parce que c'est dans nos relations aussi, nos rencontres. Et il ne faut pas occulter ça, que Dieu utilise justement les conversations, les rencontres qu'on a, les liens qu'on a forts, et qui même, tout est spirituel, il y a quelque chose qui se passe, qui sont en train de nous construire nous aussi, et qui me donne une confiance extraordinaire. Donc oui, c'est un risque à prendre, mais... Mais les petits cailloux, tu vois, même quand on n'a pas vécu de déception, de grandes déceptions dans notre vie, je pense que c'est quand même quelque chose de sage, en fait, parce que on n'est pas appelé non plus à construire exactement les mêmes types de relations avec tout le monde, à un même niveau de confiance. Puis on peut voir que... tu sais, il y a quelqu'un, tu peux avoir confiance en elle, et c'est une belle relation, c'est sain, mais au bout de trois cailloux, t'as rempli le sac de l'autre. Au-delà, ça devient un fardeau pour tout le monde. Et c'est pas une mauvaise chose, mais je pense que c'est juste aussi d'évaluer. Et qu'à la fois, on a l'impression que la confiance, c'est un package, un gros package de vie. C'est pour que t'aies ma confiance, c'est moi. C'est tout mon passé, mon présent et mon futur, mes erreurs, mes fautes, mes qualités, mes défauts.
Et puis, on peut être, avoir des très grandes attentes et puis être toujours constamment déçu. Et puis, revivre ça à chaque fois. Ouais. Puis, mais c'est de se dire, y a des petits cailloux qui vont être plus appropriés pour chacune de nos relations. Et aussi, il y a des gens, ils vont pouvoir porter un gros sac de cailloux avec nous ou une grosse pierre. Mais il y en a d'autres, c'est trois cailloux. Mais dans ces trois cailloux, ce sont des bons gestionnaires. Mmh. Mais le quatrième, ça pourrait faire... Ouais. Mais c'est un peu comme Jésus avec ses apôtres. Tu avais les 12, et c'est jusqu'à Jean. Et tu vois, dans nos relations, notre confiance, on a des cercles où certains... Et moi, c'est juste récemment que moi, j'avais un peu cette idée-là de faut aimer tout le monde. Pardon. C'est vrai qu'il faut aimer. Mais on a aussi le droit de se protéger quand on a été blessé dans une relation. On n'est pas obligé de... On peut essayer de rebâtir avec d'autres personnes, mais il y a certaines personnes... Moi, maintenant, je me donne le droit de les garder un peu plus loin dans mon cercle. Et ça, pour moi, ça a un peu ébranlé mon christianisme, parce que je me disais, faut que tout le monde... Mais non, il y a des niveaux, ça ne veut pas dire que je... Pour me protéger, mais cette personne-là, dans mon cercle, elle est là. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, puis j'en ai d'autres qui se rapprochent, où là, j'échange plus de cailloux. Donc, tu as quoi des pierres? Mais ça, c'est un exercice. Mais c'est ce que tu viens de décrire, c'est un exercice qu'on fait faire en coaching. Ah oui, exactement. C'est justement le cercle des relations. Ah ouais. Et souvent, on l'applique, tu sais, par exemple, à se remémorer il y a 5 ans. Les personnes qui étaient dans mon petit cercle proche, le cercle un petit peu plus éloigné, puis encore plus éloigné, qui gravitent autour, et de faire le bilan 5 ans après. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont restées dans mon cercle? Puis des fois, on fait le constat que non, elles ont juste reculé. Ouais. Des fois, c'est juste parce que géographiquement, la personne est partie, ou parce qu'on a... C'était un temps, c'était une saison, on avait des points communs, on vivait peut-être les mêmes choses, les mêmes combats, puis après, l'une et l'autre a fait sa vie. C'est pas pour autant qu'on s'aime moins, qu'on se fait moins confiance, ou que c'est un échec. C'est juste que la personne, elle s'est juste reculée d'un cercle. Et des fois, ce constat-là, il peut être douloureux dans certains cas, parce qu'on se dit, oh mince, il y a une épreuve là où ça peut pointer sur quelque chose de douloureux. Mais sinon, ça peut juste faire le constat que c'est la vie. Les gens, il faut accepter que les gens rentrent et sortent de nos vies en fonction des saisons, des temps, des circonstances, des envies, des besoins que nous-mêmes avons, que l'autre ont. Tant mieux si on se rejoint à un moment donné, c'est une grâce, c'est un moment, c'est un bonheur, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais parfois, les choses font que... Et nous aussi, c'est qu'on peut être dans un cercle proche de quelqu'un et puis 5 ans plus tard, ne plus être dans ce cercle. Et tu vois, quelquefois, on vit nos relations, c'est normal, avec nous au centre, qui est mon cercle, etc. Mais je suis dans le cercle de qui aussi, tu vois? Et à qui peut-être aussi j'ai... envers qui, tu vois, j'ai pas été une personne de confiance. Parce qu'on va beaucoup parler de la confiance des autres envers... de notre confiance pour nous envers les autres, mais peut-être moins de nous. Est-ce que je suis une personne de confiance, tu vois? Est-ce que j'ai pu, par certaines attitudes, par certains événements de ma vie, faire quelque chose qui fait que l'autre personne a perdu confiance en moi. Puis, tu vois, quelquefois, on ne se rend même pas compte parce qu'on ne se remet jamais en question à ce niveau-là. Mais quelquefois, on s'en rend compte aussi. Et là, comment est-ce qu'on fait? Tu vois, je me rends compte, je n'ai pas été à la hauteur. J'aurais pu faire mieux. Et pour X raisons, je ne l'ai pas fait. Puis, tu sais, je sens que ça a créé une distance. Comment est-ce que moi, je peux faire pour regagner la confiance de l'autre? Donne-moi un caillou. Alors, imaginons, parce que ça arrive qu'on ne soit pas toujours le héros ou l'héroïne de l'histoire, que j'ai brisé moi-même la confiance de quelqu'un. Ça peut arriver. Et je me rends compte, c'est ce que tu dis, et je veux regagner cette confiance-là, si je comprends bien. Déjà, il faut accepter que ça peut prendre du temps. Tu sais, que je ne peux pas forcer l'autre à m'écouter, je ne peux pas le forcer. C'est pas parce que je m'en suis rendu compte que la confiance doit être établie. Voilà, que c'est maintenant parce que je m'en suis rendu compte. Non, peut-être que l'autre aussi a un processus par lequel il doit passer. Et puis justement, je pense que le lien entre la notion d'amour et la notion de confiance qu'on se disait, c'est le pardon. C'est le pardon, en fait, qui fait le lien entre la confiance et l'amour, tout simplement. Pourquoi? Parce que oui, je dois aimer, ça on l'a dit, c'est un état de fait, c'est un commandement divin, mais la confiance, elle se bâtit, elle se construit, elle peut se briser et elle peut se refaire. Mais si elle se rebâtit, c'est qu'il y a eu du pardon de part et d'autre. Et donc, on vit cet amour parfait à travers le pardon. Et le pardon, ça va être un peu moi j'ai entendu ça, une expression comme ça, c'est un peu le muscle qui va être mis à rude épreuve
pendant justement les moments où moi j'ai brisé ou peut-être l'autre a brisé la confiance. Est-ce que je vais être prompt à pardonner? Mais dans le pardon, il y a toute la notion aussi de changement de direction. C'est-à-dire que des fois, si la personne, si on essaie de regagner la confiance et puis qu'on lui demande pardon, mais il y a aussi une responsabilité de nous de ne pas recommencer. Exact. C'est la notion de... Tu sais, je peux avoir pleinement confiance que j'ai brisé, mais si je recommence tout le temps, bien là, ce qui va aider, je pense, à refaire confiance, c'est quand les gens voient qu'on a... Qu'on a changé. Qu'on a changé. Exact. C'est pour ça que ça s'observe, la confiance. Ça s'examine, la confiance. Ouais. Vous comprenez maintenant le raisonnement autour de la confiance qui est différent de l'amour. Bien sûr que j'aime. Bien sûr qu'il faut que je sois prompt à aimer. Bien sûr qu'il faut que je sois prompt à pardonner. Mais la confiance, elle s'examine. Bien sûr, elle est conditionnelle. Si je n'ai pas répété les mêmes actions, je n'ai pas répété les mêmes mots, évidemment, c'est ça qui va déterminer... la confiance, le degré de confiance qu'on est prêt à redonner, à rebâtir entre nous. Et quand tu sens qu'il n'y a pas de retour de l'autre côté, mais que toi, tu voudrais vraiment rebâtir la relation, tu peux faire tes efforts dans le sens des efforts. Essayer de montrer, tu es un peu patte blanche et bonne volonté, mais si l'autre ne les accepte pas. Dans ces cas-là, on force pas. J'ai envie de dire, on ne force pas. On est qui pour forcer qui que ce soit. Après, la balle est dans le camp de l'autre. Et il faut que cet autre-là passe aussi par le cheminement, le chemin du pardon, parce qu'il y a plusieurs états, il me semble, pour arriver à ce pardon-là. Et je ne peux pas forcer la personne à faire le trajet beaucoup plus rapidement ou à mon rythme à moi. Parfois, il faut juste accepter que cette relation, pour un temps, elle va être en pause. Et qu'au moment convenable, Dieu fera son œuvre. Et puis qu'on se retrouvera peut-être dans un autre aspect de relation de confiance. Mais est-ce qu'elle est moins bien que celle qu'on a vécue avant? Non, elle est juste celle qu'elle doit être aujourd'hui. Donc je trouve ça intéressant. Et tu penses quoi de cette notion, entre guillemets? La confiance, ça se donne, mais ça se perd. Dans le sens où t'as rien à faire pour gagner ma confiance, je vais te donner comme une portion de confiance et puis je vais voir ce que tu vas en faire, un petit peu comme le caillou, mais on commence pas de zéro, tu bâtis pas, je te le donne, puis on va voir ce que tu vas faire. Ou alors, on part de zéro, et puis au fur et à mesure, la confiance va se construire. Est-ce qu'il y en a une qui est vraie, une qui est fausse? Les deux sont vraies? Ou t'as rien compris à ce que j'ai dit? Non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Les deux aspects sont vrais. En fait, la confiance est une construction dont on n'en a pas conscience. Souvent, on a une formulation et on a une idée toute préconçue de comment l'or doit faire pour gagner ma confiance. Parce que c'est ma définition de la confiance. Je ne sais pas, peut-être que moi, ce serait qu'elle me demande plus de nouvelles, qu'on échange plus de messages plus personnels, etc. Moi, elle avait un bon feeling avec Stéphanie. Et toi, il faudrait que tu... Faudrait que tu travailles un peu plus que moi. Ça va m'aider en fait, à participer à une relation de confiance, à des discussions profondes. Moi, j'en ai besoin, des discussions profondes. Donc à ce moment-là, l'or, je sens qu'on passe un gap aussi ensemble. Donc forcément, quand je disais que la définition de la confiance, elle est propre à chacun, c'est qu'on passe par des mécanismes nous-mêmes. Ou sans le dire, je m'attends à ce que l'autre fasse telle et telle action pour gagner ma confiance. Selon notre système de valeurs. Ouais. Exactement. Est-ce qu'on doit l'exprimer, notre système de valeurs? Alors, bien sûr, bonjour, voici mon mode d'emploi. Peut-être pas la première rencontre. Mais tu vois, moi, quand j'échange avec des femmes, plus je vais dans mon sac près de moi, moi, une valeur importante pour moi dans l'amitié ou la confiance, c'est la confidentialité. Et ça, moi, je le dis tout de suite, tu sais, je dis toujours, quand on arrive un peu plus proche, je m'attends à ce que ça soit confidentiel. Exact. Si je sais que c'est... Ben là, pour moi, j'aime encore. Là, oui. Avec l'amour de Jésus. Bien sûr. Mais j'ai moins confiance. Parce qu'il y a tellement d'endroits où tu parles que si t'as pas un endroit où t'es confidentiel, ben là, ta vie est là. Moi, je le dis. Ouais, c'est une formulation que tu fais clairement. De dire, ben là, je m'attends que la conversation, elle est confidentielle parce qu'on a passé un gap dans nos relations. Que là, tu vas entendre des propos ou des faits que je vais te rapporter. Ça reste entre nous, là. Je suis dans une zone de confiance, on est d'accord. Exact. Et en même temps, avoir le discernement, c'est vrai que des fois, on aurait tendance à dire n'importe quoi à n'importe qui, un peu tout comme ça. Et on s'attend à ce que l'autre soit dans cette atmosphère de confiance. Mais tu l'as pas dit à la bonne personne, tout simplement. Donc, c'est à
nous aussi d'être sages et d'avoir ce discernement et peut-être commencer avec un caillou, comme tu dis, et puis voir ce que ça donne avant de tout déballer, tout le package aux personnes pour la sagesse, c'est important. Clairement, mais formuler quelques règles, quelques normes, nous, on va dire, en communication, c'est les règles du jeu, en fait. Voici là la conversation et voici comment je souhaiterais qu'elle se passe. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que tu peux juste peut-être te nommer certaines normes? Parce que, tu sais, quelquefois, tu les as assez internes, mais jamais tu as mis un mot dessus. Du coup, c'est difficile de les communiquer. Mais pourtant, tu fonctionnes selon ces normes. Par exemple, ça peut être des normes d'équipe en disant que là, quand on est dans ce comité-là restreint, ça reste entre nous, vous n'en parlez pas au reste de l'équipe, vous avez été choisi parce que. Et donc là, c'est des cellules de crise, par exemple, c'est des situations d'urgence, on ne voudrait pas que ça fuite, parce que l'idée, c'est de trouver les meilleures solutions. On sait déjà que ça va soulever des vagues, n'en créons pas davantage. Donc là, c'est positionner les règles, c'est les dire clairement. Là, je m'attends à... En fait, c'est apprendre à formuler nos attentes. D'accord. Parce que souvent, comme disait Laure, on part du principe que l'autre est dans notre tête et que la définition que j'ai de la confidentialité, elle est valable pour tout le monde. Mais par exemple, moi, en notion d'amitié, juste, on va un peu plus large que la confiance, mais en situation d'amitié, moi, personnellement, je m'attends à ce que toutes les conversations soient confidentielles. Mais parce que je suis quelqu'un de discrète, parce qu'on parle aussi, quelque part, il y a d'autres notions connexes qui sont les besoins psychologiques. Et dans les besoins psychologiques d'une personne, il y a le besoin d'ouverture. Il y en a qui ont un besoin d'ouverture tellement large qu'ils sont capables de raconter leur vie sur un trajet d'autobus. Et voilà, un parfait inconnu. Mais ça ne leur pose aucun problème. Il y en a, ils sont incapables de s'ouvrir. Ils n'ont pas besoin d'ouverture. Ils vont poser beaucoup de questions aux autres. C'est des façons qu'on a de fonctionner, psychologiques, communicationnels, qui sont OK, tu sais, on ne cherche pas à changer les personnes. Mais par exemple, moi, je n'ai pas un besoin d'ouverture très grand, fait que ce qui se passe dans mes cercles d'amitié, je m'attends à ce que ce soit confidentiel et je donne le même gage, en fait. Donc moi, tout ce que mes amis me disent, en général, j'en parle pas. Et des fois, ça va même, j'en parle pas à mon mari. Si elles me disent pas, oh, ben, ça va, Franck, tu peux en parler. Mais même là, moi, je suis garante de ça. Et des fois aussi, oser peut-être... parce que des fois, on attend que l'autre nous pose des questions en se disant, ben moi, si on ne pose pas de questions, je ne parlerai pas. Mais peut-être avoir cette initiative de se dire, mais il faut que j'essaye au moins d'envoyer une pierre, de donner quelque chose, parce que peut-être ça va envoyer un échange, en fait. Et on va pouvoir rentrer dans cette relation de confiance. Parce que des fois, on peut aussi se priver, je pense, au niveau de la relation. Tout ça parce qu'on a une attente particulière de l'autre qui, finalement, peut-être n'aboutira pas parce que l'autre, lui, ne pense pas comme nous. Donc juste aussi, des fois, peut-être donner une chance parce que finalement peut en découler une belle relation et déclencher une confiance parce qu'on aura osé faire le premier pas. Mais merci encore beaucoup Rachel. Donc trois niveaux de confiance, la confiance assurée soit aveugle, la méfiance qui n'est pas de la confiance en fait, mais bon, c'est un niveau bas de confiance, très bas, et la confiance décidée et dans laquelle on peut aussi évoluer. Et merci pour cette technique des petits cailloux. Je pense que c'est très pratique et facile à mettre en place. Et peut-être de petits mots, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi enseigner à nos enfants, la technique des petits cailloux, parce que nos enfants, quelquefois, reviennent avec le cœur brisé de l'école, parce que justement, ils se sont sentis trahis, déçus avec leurs petits amis, etc. Et c'est aussi à l'âge auquel ils se bâtissent. Et de dire oh, c'est que des histoires d'enfants, c'est aussi à ce moment-là qu'on construit la confiance en soi et dans les autres, ce lien de confiance, et de pouvoir le comprendre à 3 ans, c'est génial, parce qu'il faut le comprendre qu'à 40 ans, et c'est moins génial quelquefois, mais c'est quand même super. C'est jamais trop tard. Exactement. Donc merci beaucoup Rachel. Alors, on va se retrouver vendredi, et puis Aurélie sera avec toi et moi d'ailleurs. Donc j'ai très hâte à vendredi. On va parler des discussions, des conversations difficiles. Voilà, c'est dit. Amusez-vous bien. Parce qu'avec nous, c'est juste des conversations faciles. On laisse ça à Aurélie. Merci beaucoup. On t'aime Aurélie. Merci d'avoir été là. Merci Rachel, à vendredi. Et puis à vendredi à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis. Bye bye.